Donc, ce qui est intéressant, c'est cette espèce d'effervescence, tous azimuts, au niveau du catholicisme intellectuel, occidental, évidemment. Et cette possibilité, si tu veux, d'écouter ces grands gabarits. Mais, et la grégorienne, donc, la grégorienne accueillir volontiers tous ces grands gabarits venant d'ailleurs. C'est une université à l'époque entièrement jésuite. Le seul non-jésuite qui enseignait, c'était un vieux père blanc qui donnait un cours. Parce qu'il y avait une toute petite faculté de missiologie, c'est-à-dire l'étude des missions, avec des gens qui m'ont marqué beaucoup plus que... Il y avait une grande faculté de philo, une grande faculté de théologie, et en face, un institut biblique qui était très, très ouvert, d'ailleurs. En philo, on avait aussi des gens qui venaient de donner des cours venant d'autres coins du monde jésuite, de la France, de l'Allemagne, des copains de Heidegger, des copains de Sartre. C'était vraiment des gens, c'était pas du tout borné, étriqué, moyenâgeux. Il y avait des gens extrêmement attachants. Et en théologie, tu avais ce grand gabarit Lonergan, un des tout derniers grands théologiens thomistes, un Canadien, un des seuls jésuites à avoir eu un notice nécrologique dans Time Magazine. Donc c'était vraiment très exaltant. Surtout que là, déjà, les Pères Blancs, c'était international, mais là, à la Grégorienne, tu avais des gens, mais de tous les coins du monde catholique, si vous voulez, qui, pour en sortir entre nous, on échangeait en latin, les cours étaient en latin. J'ai défendu ma première thèse en latin. Je l'ai écrit en français, mais je l'ai défendu en latin. Et les examens étaient oraux. Il y avait ce qu'on appelait un de universis, de tout et n'importe quoi, à la fin de la licence, où il y avait quatre jésuites dans quatre coins d'un grand aula, et tu passais devant tous les quatre pendant au moins 20 minutes. Et je me rappelle, avec un brave philosophe, moraliste français de finance, qu'on avait discuté de la moralité des pygmées. Mais on n'arrivait pas à trouver en latin le mot pour forêt. On a passé au moins 10 minutes, jungla, sylvis, forestis. Allez, on s'en fout. Et j'ai eu 10 sur 10. J'aurais eu 10. Tu vois, un père blanc, l'année avant moi, aurait voulu faire une thèse sur Teilhard de Chardin. J'avais commencé une thèse sur la mort chez les primitifs et les modernes. Alors, le prof a dit, c'est un peu gros comme sujet. Alors, il dit, bon, je vais faire ça chez Eliade. Ça va un peu mieux. Mais il est encore vivant et on ne fait pas des thèses sur des vivants. Bon, je dis, bon, à ce moment-là, allez-y pour Teilhard de Chardin et Albert Camus. Et là, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des inédits de Teilhard qui avait lu Camus, le contraire n'était pas vrai, du fils du fameux Queneau qui gérait les archives de Teilhard à Paris. Donc j'ai fait cette thèse. Mais le copain, avant, on lui avait interdit ça. Avant le commencement du concile, on a dit, tu fais quelque chose sous Sertiange, qui est un copain à Senghor. À Conga. Moi, pas de problème. Je dis, toi, allez-y, Teilhard, Camus, c'est bon. Tout est bon. Et donc, j'ai fait cette thèse. Mais de nouveau, c'est significatif parce que je l'ai fait à la va-vite. Bon, j'ai tout lu, Teilhard, j'ai tout lu, Camus. Mais ça ne m'intéressait pas plus que ça.
ce qui m'intéressait, c'est effectivement de travailler dans ce bidonville, d'aider ces braves gens, d'aller de l'avant dans la jungle romaine, et surtout d'aider les Pères Blancs en Italie, d'organiser des journées missionnaires et de vendre des objets d'art africains, entre guillemets, sur les plages pour les touristes. Ça veut dire, j'ai très vite appris l'italien, c'est pas compliqué, surtout si tu connais le latin. Et vers Noël, je pouvais déjà, en ayant appris un sermon plus ou moins par cœur, j'ai parlé, je me rappelle encore, parce que j'ai parlé toujours del bambino Gesù nel suo collo. Ça veut dire, moi je croyais que c'était l'enfant Jésus dans sa crèche, nel suo collo. Et chaque fois que je disais bambino Gesù nel suo collo, les petites dames en première ligne commençaient à faire des signes de la croix. Et après, on m'a dit non, non, pas le culo, c'est le cul. Et culo, c'est la crèche. Bon, là, c'est un lapsus passager. Mais après, on m'a fait confiance. On m'a envoyé faire des journées missionnaires dans les paroisses, dans les Dolomites, dans les hauts lieux touristiques. Parce que nous, on était sacrifiés pour faire des prêches, si tu veux. Et pour confesser les gens à Pâques et à Noël. Après, les pères pouvaient venir collecter des sous, si tu veux, faire une journée missionnaire et avoir des sous. On prêche 7 fois par jour. Je me rappelle une fois dans un grand basilique à Venise, de 5 heures du matin à 1 heure de l'après-midi, devant les milliers de fidèles, habillés comme Laurence d'Arabie. C'est merveilleux. Et je me rappelle une fois aussi être allé à Pâques dans une ville qui s'appelle Marostica, où on joue au scacchi, aux échecs en taille réelle. Et l'Italie, c'est déjà un autre monde aussi. Avec un clergé pléthorique, il y avait un décan, un doyen, il y avait le curé, il y avait 36 petits abbés. Et puis de se grouiller d'enfants de cœur. Et après la messe de Pâques, on a mangé ensemble dans un immense réfectoire, dans le presbytère. Le vieux curé, mais immonde, un vrai porc. Il bouffait des spaghettis, puis il rinçait sa bouche avec du vin. Il splotchait ça par terre. C'était absolument immonde. Et je vois, j'avais en face de moi un type très intellectuel, une vocation tardive, il avait été avocat. Après le repas, il a dit « Mike, viens, je n'en peux plus ». Et on est allé dans le grenier du presbytère, un immense presbytère, de 20 mètres de long, tout le grenier. Dans un coin, il y avait un mannequin maquillé comme le curé, ça ressemblait avec un gros ventre. Le type a sorti de sa poche un revolver Beretta, il a tiré dedans, il est ouf, ça va mieux. Allez, on descend. Et dans le premier Noël aussi, j'étais envoyé à Gorgonzola, à Melzo, où ils fabriquent le fromage Gorgonzola. Encore l'église italienne, mais c'est toujours un peu comme ça en Italie. Des types très sympas, mais ultra clérical. Et à Noël et à Pâques, les hommes doivent se confesser, qu'ils soient athées, chefs du Parti communiste, poussés dans le dos par leur belle-mère ou leur épouse, ils doivent se confesser. Ou ils viennent dans la sacristie, c'est même pas dans le confessionnal. Le confessionnal, c'est pour les dames. Mais nous, les jeunes curés, on ne pouvait pas toucher à ça. C'était réservé pour le curé. C'était chasse-garde. Nous, on confessait les hommes sur un prie-dieu dans la sacristie, où tous ces types fumaient. Donc, ça puait déjà, grappa. Il venait. Et moi, j'avais appris un petit baratin. Est-ce que vous avez fait votre devoir? Hai fatto il tuo dovere. Ça veut dire, est-ce que vous avez été un bon père de famille? Vous n'avez pas trop tapé sur votre femme, etc. Et le premier type qui vient, il s'agenouille. Mais il n'avait rien fait. Quelques bestemmes, j'ai blasphémé. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? En Italie, c'est comme ça. Moi, j'ai dit, mais ça va, mais hai fatto il tuo dovere. N'ayez pas peur, père, j'ai voté démocratie chrétienne. Ça va, c'est bon. Et c'est ça qui m'a toujours impressionné, c'est l'écart de crédibilité entre toutes ces élucubrations ecclésiastiques
Et puis, la foi populaire, le peuple n'est pas là où on l'imagine ou qu'on voudrait qu'il soit. C'est vrai dans n'importe quel domaine, mais c'est très visible dans le monde catholique. Et donc, moi, je m'amusais comme un fou en faisant ces journées missionnaires dans les grands, les halls, sur le lac de Garde. Là, on a fait des journées missionnaires et des expositions missionnaires. Il y avait un père blanc qui sillonnait l'Afrique avant l'époque actuelle où tu as des objets d'art et ramassait tout ce que les indigènes fabriquaient comme coupe-papier, comme petites fétiches, etc., etc. Et il les ramenait et nous, on les vendait on avait gratuitement souvent la salle paroissiale ou la salle communale. Et surtout, le copain, il est mort, mais c'était lui qui gérait ça. Il faisait fabriquer des lances et des flèches et des fusils. Tu sais, le truc des esclavagistes arabes avec des grands canons et des petits trucs en bois. Il les fabriquait à Vérone par un vieux forgeron. On les mettait dans le fumier pendant toute la période non estive. Ça sortait mais des antiquités, mais absolument impeccables. Et moi, comme je parlais allemand, et comme il y avait beaucoup d'Allemands, des Autrichiens qui venaient dans l'Italie du Nord en été, ils venaient voir la Mostra di Artigianato Africano. Il y avait des tapis berbères, il y avait des belles choses, en fait. Et puis, je sortais toujours le dernier fusil du grand esclavagiste Tipu Tip. Pour vous, c'est cadeau, c'est 250 000 euros. C'est soldé cette semaine. C'est... Oh, mon père, c'est bon. J'achète, boum, crash. On allait chercher un autre. Tout ça pour la mission. Une fois, on est allé à Rimini. Et on est arrivé trop tard. On avait un Cinquecento, c'est pas un limousine. Avec le copain, on a acheté une bouteille de San Marino, un liqueur complètement dégueulasse, local. On l'a bu pour nous endormir dans le Cinquecento. On se réveille le matin pour aller... On était à côté d'un couvent qui était une colonie de vacances sur la mer, le Rimini. Et nous, on voulait aussi nager le matin. On voit un troupeau de filles, des belles filles italiennes, presque à poil, se plonger dans la mer, suivies par une jeune sœur, mais habillée comme une baleine. Elle avait un costume de bain de type victorien, comme un pingouin. Elle les suivait. Elles étaient déjà parties vers la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie. Elle va dans l'eau. Elle a failli se noyer parce que ce truc s'est rempli d'eau. C'était hallucinant. Bon, on est très loin du sujet. Bon. Revenons à la Grèce. Parce que ceci est très intéressant. Parce que pendant le Concile, les Pères Blancs, la Maison Généralice, a invité effectivement Conga et compagnie. Ils avaient invité une fois de Lubac pour venir nous parler des choses. C'est un seigneur de l'esprit. C'est un petit deux. Grande, maigre, très noble, très... Mais après, j'ai lu dans un bouquin sur De Certeau qu'il avait un éclat d'obus dans sa tête. Et donc, parfois, quand il secouait la tête, ça l'énervait sérieusement. Oui, il fait un grand discours sur la mission, sur l'adaptation, etc., etc. Alors moi, je dis, écoutez, monsieur le cardinal, est-ce que en Afrique... par un souci d'adaptation, puisqu'ils n'ont pas de calice, ils n'ont pas de coupe en or massif, est-ce qu'on ne pouvait pas se servir d'un calabas, si tu veux? Et puis, est-ce que, puisqu'il n'y a pas de farine, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des galettes de mil? Il s'est fâché. En disant, mais vous, les jeunes, c'est pas possible. Non seulement le bébé fout le camp, mais le baignoire aussi, mais c'est pas possible, il y a des limites. C'est... Ah, mais. Moi, je dis, oh, excusez-moi. Alors, c'est ça, tu vois. Ça, c'est en
ça devait être vers 63-64. Une fois que je me trouve chez les Wakonongo, très vite, je me rends compte, parce que le concile avait quand même permis beaucoup de choses. Messe face au peuple, langue locale, des grands hosties en pain, visiblement pain, etc. Et même communion sur les deux espèces. Donc c'était quand même... Et on devait avoir une sorte de messe en petit comité convivial. Moi, je me suis rendu compte que chez les Wakonongo, le repas n'avait pas du tout le même sens qu'il peut avoir dans notre civilisation, où il n'y a pas de funérailles, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de baptême sans gueuleton. Chez les Wakonongo, le repas, ça se passait très vite entre hommes, parce que on mangeait de l'ougali, c'est de la polenta de maïs. Si tu ne manges pas vite, ça refroidit et ça devient, après quelques minutes, du béton. Et on mange avec les mains. Les femmes ne mangent pas avec les hommes, elles nous amenaient ça. Les enfants sont là, mais mangent en silence total. Et on ne dit rien, parce qu'il faut manger vite, parce qu'on mange dehors. Il y a des tourbillons de poussière. Il faut manger. Donc, et surtout, le chef mange seul. Dans les premières semaines, on m'a dit, tu manges d'abord. Parce que les chefs, autrefois, mangeaient seuls et laissaient des choses pour que le peuple mange. On dit souvent, c'est l'exploitation, c'est la gérontocratie aliénante. Et les pauvres femmes sont des couillonnades. Quand tu vis en brousse, tu sais très bien que les femmes ont déjà pris les meilleurs morceaux avant de vous amener les restes et que le chef, il ne pouvait pas tout bouffer non plus. Donc, tout le monde trouvait que ses comptes étaient justes. Finalement, j'arrive à persuader le vieux chef, ce type sympa, Jacobo Santo Subito, si je pouvais le canoniser. Je voudrais canoniser. Il a dit oui, d'accord, si vous insistez, vous pouvez venir manger avec nous. Alors, première fois, ça se passe dans un petit auvent. Lui, ses fils et ses petits-fils, on amène le polenta avec une sauce. Tout le monde commence à manger. Moi, je papote, comme on fait à table. C'est convivial, c'est commensal. Après 5 minutes, il n'y avait plus rien à manger. J'avais encore faim. Tout avait disparu. Voilà. Fois suivante, je mange en même temps que je parle. Puis tout d'un coup, ce brave vieux bonhomme, un bon papa, pof, il donne un claque à un gamin de 2 ans qui était là comme une souris en train de bouffer. Il n'avait rien dit. Il a dit, oh, tu es venu quoi, pour papoter ou pour manger? Alors, il voulait dire à moi, ferme ton clapet. Mange, et après on peut discuter, mais mange d'abord. Et surtout, il n'y avait rien, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de nappe, il n'y avait pas rien à boire, on ne boit pas. Donc il n'y avait rien symboliquement sur quoi installer une messe africanisée, si tu veux. C'était des années-lumière. Et surtout, je dis, même au niveau purement symbolique, il n'y avait pas moyen d'africaniser. Mais au niveau anthropologie, au niveau de la logique humaine, le repas chez les Wakonongo n'était pas le haut lieu du naître et être ensemble. Là, c'était le palabre. C'était autour de la parole partagée que les gens se ressourçaient, et non pas à l'église, etc., etc. Et donc, je me suis dit, toutes ces questions à de loufoque, t'es complètement loufoque, complètement à côté de la plaque. Parce qu'en Afrique, il ne faut pas un symbole à base de repas. Si Jésus avait, entre guillemets, organisé la dernière scène, c'est qu'il faisait souvent ça. Les Juifs avaient l'habitude, entre eux, de se réunir comme les Rotary Club,
dans un champ. Ils louaient une chambre, ils bouffaient ensemble, ils discutaient des choses sérieuses. Donc c'est, Jésus a choisi, mais il n'a pas fait de toute façon, il a choisi le repas parce que la convivialité chez les Juifs, c'était la commensalité. En Afrique, c'était pas du tout ça. Et donc, c'était, si on parle de choc culturel, c'était pas choquant, mais c'était un choc culturel. Tu te rends compte que vraiment, l'autre, il est vraiment autre. Et que si tu te préoccupes de uniquement de réemballer ta marchandise, tu tombes à côté de sa plaque, si tu veux. Et qu'il faut. Pour moi, l'évangile, c'était un message de libération. Jésus, il voulait affranchir les siens du carcan clérical, du temple, si vous voulez, et du ritualisme, du pharisaïsme, tout ce qu'il a voulu. Et il s'est rendu compte que ça ne servait à rien de tout foutre par terre comme les révolutionnaires, les terroristes urbains. Il y avait chez lui Judas, qui est un terroriste urbain. Mais il a dit, ça ne sert à rien, parce que ça reviendra tant qu'on n'est pas libéré du dedans. Ça ne sert à rien. Et donc Jésus a cherché à libérer les gens dans le lieu historique par rapport à des structures, à des carcans. Et donc moi, j'ai dit chez les Wakonongo, c'est ça que je vais faire. Je n'ai pas cessé de dire la messe. J'ai baptisé l'un ou l'autre enfant. Mais j'ai surtout dit qu'il fallait me servir des institutions, des idéologies, et des institutions qui comptaient déjà. Après tout, les Wakonongo sont là depuis 3 millions et demi d'années, en gros. Donc, ils se sont débrouillés. Parce que quand le blanc arrive, missionnaire ou mercenaire, militaire ou administrateur, il imagine qu'ils sont totalement paumés, qu'ils n'ont pas d'école, qu'ils n'ont pas... Les pauvres, ils n'ont pas de médecin. Il faut absolument que je les rende. Mais tu imposes des trucs qui sont à cheveux dans la soupe, si tu veux. Ces gens se sont démêlés pendant des millénaires. Ils n'avaient pas besoin d'un sacrement de l'Eucharistie. Ils avaient besoin d'un sacrement de la parole. Et donc, moi, j'ai libéré, à ma façon, modestement, les gens en me servant de la parole, en m'insérant dans les circonstances où on discutait, les petits procès informels contre les sorciers. Et ça, je crois, c'est ça où le bas blesse, c'est que même en anthropologie, on débarque avec tout notre Bataclan, avec tout notre brol. On a des facultés de sociologie, on a des instituts d'anthropologie, on a l'anthropologie de la parenté, l'anthropologie religieuse. Mais tout ça, c'est de la mission, c'est de l'imposition cléricale. C'est ni plus ni moins. Ça veut dire, j'ai écrit et j'en suis convaincu que l'anthropologie fait partie de l'occidentalisation du monde à l'insu de notre plein gré. Parce que tu ne peux pas partir de nulle part avec rien de tout. Donc on est parti, comme anthropologue en Afrique, de la même manière que les missionnaires. Les missionnaires, en gros, se rendent compte que ça n'allait pas, ça ne correspondait pas. Mais nous, on est en train d'imposer sur les Africains une discipline qui est essentiellement, intrinsèquement, d'origine occidentale. Il faut vraiment... On ne peut pas faire autrement, mais on peut faire cela en mauvaise connaissance de cause, en ayant une mauvaise conscience de nos privilèges. Et on dit, moi, j'ai toujours rêvé d'un anthropologue ou des anthropologues qui aient le courage de dire, voilà, dans l'interculturel, voilà. Voilà Durkheim, voilà Mauss, voilà Evans Pritchard, voilà Lévi-Strauss. Si ça vous dit, tirez votre plan, organisez-vous, on reviendra d'ici 10 ans pour voir. Si ça vous a dit, ben on continue en gros ensemble. Si vous faites autre chose, ça va nous donner des boutons, mais c'est notre problème.
Parce que c'est comme ça que c'est arrivé dans l'histoire du christianisme. C'est-à-dire, les missionnaires sont arrivés avec la Bible, avec tout le reste, avec le col romain, avec l'harmonium, avec le célibat. Ils ont voulu imposer ça. Certains Africains ont mordu à l'hameçon parce que c'était dans leur intérêt. Si j'avais été Africain, je me serais fait hélico-curé, parce que c'est sinécurisé, c'est le cas de le dire. Et certains Africains ont dit, merci beaucoup, foutez-nous la paix. Ils ont créé des nouveaux mouvements religieux, plus ou moins chrétiens, plus ou moins chrétiens dans notre sens chrétien à nous. Kimbanguisme, tous ces nouveaux mouvements religieux, prophétiques, charismatiques, etc., etc., c'est les Africains qui se sont débrouillés. Ils n'ont pas fait preuve de beaucoup d'imagination au niveau de la maîtrise matérielle, mécanique de l'univers, mais en termes d'imagination religieuse, chapeau. Et c'est ça, moi je crois que tout le monde est missionnaire, mais l'anthropologue est un apôtre, mais il y a une différence entre l'apôtre qui impose ses institutions et ses idéologies, ses revues AAA et ses prix Nobel de ceci et de cela, et puis l'anthropologue qui dit, bon, voilà ce que je suis, tirez votre plan si ça vous dit. Et ça, je crois, il y a moins d'anthropologues qui font ça que de missionnaires qui démissionnent. Parce que l'anthropologue, il est convaincu qu'il y a effectivement une société humaine. Il y a la culture, puis il y a la nature, puis il y a les sciences naturelles et les sciences humaines. Et ça va de soi, mais ça ne va pas de soi. Tout ça, c'est l'Occident. L'Occident a saucissonné le monde de cette façon-là au milieu du 19e siècle. Grâce à un Allemand qui s'appelait von Humboldt, qui était le frère de l'explorateur, 1829 à Berlin, il commence à réorganiser le monde universitaire. Et il dit, voilà, il faut des facultés de sciences, il faut des facultés des sciences humaines. Dans les sciences humaines, il faut des historiens, des exégètes, des théologiens, des philosophes. Et ça a continué. Et tout le monde pense que ça va de soi, que l'université, c'est ça. Mais l'université, c'est von Humboldt, c'est l'Occident du 19e siècle, c'est nature-culture, ça veut dire la distinction entre sciences naturelles et sciences culturelles, ça n'a rien d'universel. Les Africains ignorent totalement la nécessité d'avoir des sciences humaines et des sciences naturelles. Exactement comme ils ignorent la nécessité d'avoir un repas eucharistique. Mais ça, c'est une autre histoire.